Attention, Flavie, c'est à vous. Alors, juste, est-ce qu'elle est en ligne? Parce qu'il faut qu'elle soit en ligne, notre auditrice. Je suis en ligne. Oh, bonjour, ah, comment bonjour, ça va, Andrea? Alors, Andrea, attendez, c'est Flavie qui prend maintenant le lead. Flavie. Bonjour, Andrea. Vous venez d'entendre, j'imagine, Yves Calvi hein, sur l'antenne d'RTL, il y a un instant, qui témoignait justement de sa mésaventure avec les déménageurs. Oui. Oui, alors malheureusement, vous voyez, lui, il s'en est sorti parce qu'il est tombé sur le bon déménageur qui a fini par le sortir de ce pétrin. Mais alors, effectivement, vous, ça n'a pas été votre cas. Vous avez décidé de fêter la fin de l'année en déménageant, vous. C'est un truc que vous faites le 31 décembre, vous décidez de déménager. Oui, parce que j'ai pas eu le choix, ça s'est fait comme ça. Oui. Est-ce que vous avez un haut-parleur? Oui, j'arrive pas à l'enlever. Ah, vous n'arrivez pas. Ah, il faut appuyer sur le bouton. Non, tapez du poing sur le téléphone, allez-y en direct. Tapez un grand coup. J'ai peur de raccrocher après. Si vous, non mais on vous rappellera. Tapez un petit coup sur le téléphone. Allez-y, lâchez-vous. D'accord. Allez-y. Allez. Ça c'est y est. Bon. Oui, mais ça n'a rien fait. Bon, c'est pas grave. Alors, on c'est continue. Bon. Donc, Andrea, vous avez déménagé le 31 décembre. Oui. Vous avez choisi de faire appel à des déménageurs. Comment les avez-vous trouvés? Bien, j'avais demandé à des gens où j'habitais, à Saint-Paul-les-Dax, s'ils ouais. connaissaient, parce que je venais de Seine-et-Marne, et donc je ne connaissais pas trop bien. Ouais. Je suis restée 11 mois à Saint-Paul. Hein. Je peux ouvrir une parenthèse. Là, vous savez, j'explique à mes collègues qui ne connaissent pas forcément l'émission parce qu'ils travaillent pendant que je suis en train de la faire. On est typiquement dans le cas de l'auditeur qui adore vous raconter tout ce qui lui est arrivé. Alors en général, ça donne ça. Pourquoi avez-vous choisi cette entreprise? Je vous explique, j'habite à Saint-Paul-les-Dax. Bon, il faut que vous sachiez que j'ai un bon frère là-bas. Moi, ce qui m'aurait fait marrer, c'est qu'elle réponde: j'ai demandé un conseil au comité d'entreprise de France Télévisions. J'ai plaisanté.